Salut, bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. On va voir comment avoir un objet qui se trouve sur deux calques. Donc pour cela, rien de plus simple. Il suffit juste de sélectionner ici donc notre lampe, qui est bien sur le calque 1. On le voit ici en bas, là. Il y a un petit rond orange qui est activé. Il suffit d'appuyer sur M. En même temps, on appuie sur Shift. On reste appuyé et on va sélectionner le calque 2. À ce moment-là, on s'aperçoit que notre objet... Donc, quand il est activé, il est en orange, est à la fois actif sur le calque 1 et sur le calque 2. Donc ça, c'est très pratique. Lorsqu'on utilise ici, dans ce cas particulier, des render layers. Là, j'en ai deux. Donc j'ai une seule lampe qui va pouvoir éclairer le layer 1 sur lequel il y a mon cube et le layer 2 sur lequel il y a ma sphère. Voilà. On peut également faire la même chose pour la caméra, c'est-à-dire que si je me rends sur le calque 2, j'ai ma caméra qui disparaît, par contre j'ai bien ma lampe, et je vais sélectionner ma caméra, appuyer sur M, sur Shift, et ici cliquer sur le layer 2, et à ce moment-là, si je clique sur le layer 2, vous voyez, j'ai ma caméra et j'ai ma lampe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.